Invité dont refait la télé sur RTL, Agathe Le Caron a révélé s'être disputée avec son mari, cadre à TF1, à propos de Masterchef, l'émission qu'elle a animée sur France 2. Et cela en présence de la productrice de Top Chef. Ce samedi 13 mai dans On refait la télé sur RTL, Éric Dussard et Jade ont reçu l'animatrice télé Agathe Le Caron. Cette dernière sera prochainement à la tête de l'émission Chemin de Traverse sur France 3. Dans le premier numéro qui sera diffusé ce 24 mai, Agathe Le Caron va sillonner les pistes françaises avec Virginie et Fira. Éric Dussard a profité de cette visite pour lui poser notamment quelques questions sur la contre-performance de Masterchef sur France 2. L'animatrice est cash, l'émission ne reviendra pas. En tout cas, ce n'est pas prévu. Malheureusement pas cette année, ça, si est sûr. À mon grand regret, parce que j'adore les émissions de cuisine et j'ai adoré tourner Masterchef. Je ne sais pas si est un échec ou un four d'audience, en tout cas, ce n'est pas un succès. Si est certain point Masterchef n'a pas tenu face à Mask Singer, cette émission était la première qu'on lui a confiée en prime, alors forcément, pour elle, c'était dur. Si est toujours très décevant que ça ne plaise pas. Après, on essaye toujours de trouver des raisons. Il ne faut pas se prendre la tête. Si est comme ça, si est comme ça, a-t-elle ajouté avant de confirmer quoi voir Mask Singer en face avait forcément joué dans ses mauvaises audiences. Et si France 2 ne pouvait pas savoir que Masterchef allait se retrouver face à Mask Singer, ce n'était pas le cas du mari d'Agathe Le Caron, qui n'est autre que François Pellissier, directeur général adjoint business et sport du groupe TF1. Le mari d'Agathe Le Caron a gardé le silence. Agathe Le Caron se souvient qu'il était à table avec sa meilleure amie, productrice de Top Chef, et qu'elle disait que Masterchef allait faire un carton, surtout qu'en face, il n'y avait rien. Si est-il là qu'elle a vu la tête de son mari se décomposer. Elle a rapidement compris que quelque chose n'allait pas, et elle a essayé de lui tirer les vers du nez, mais il n'avait pas le droit de parler. Alors, elle a menacé son mari, « Dis-moi, sinon je pars de la maison avec les enfants. » Mais rien n'y fit, il n'a rien voulu lui dire. Sur le coup, elle lui en a voulu, même s'il n'y était pour rien. À lire aussi Agathe Le Caron absente de la maison des maternelles en cette fin de semaine, elle en dévoile la raison dans une vidéo. Article écrit avec la collaboration de 6 médias.